Yo les gens, ah je lis déjà votre sourire, vous l'avez deviné, on se retrouve enfin après des mois et des mois d'attente dans une nouvelle petite session de pêche. Je suis totalement paumé comme d'habitude et pourtant on se rend dans un endroit qu'on a déjà pêché ensemble, tout simplement le lac, du fameux Brocan Lac. Je vous invite à checker la vidéo. Ça bouge un peu. Je vous invite à checker la vidéo, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai une miniature quelque part, mais bien sûr, on ne pourra plus cliquer dessus parce qu'il y a plus d'annotations. Et on se rend donc sur ce lac, alors non pas que pour pêcher, parce que vous savez que c'est aléatoire, on ne sait pas si on va sortir du fish comme à chaque fois. Mais par contre, on a deux choses à faire. Dans un premier temps, on doit tester un flotte. Donc voilà, j'ai un pote, en fait, je dois tourner des plans de drone pour lui, car il a un nouveau flotte. Un nouveau flotte de chez Seven Bass, assez haut de gamme d'ailleurs, en scred. Et du coup, il me fait tester le sien, l'ancien, qui est aussi un autre gamme de chez Seven Bass, donc ça va changer un petit peu. Et voilà, de la perche, du brochet et le tout en compagnie du poteau qui teste le float tube de chez Seven Bass. Voilà, ça vous va? C'est parti alors. Bon, j'en profite d'être seul pour vous montrer la petite gamme de leurres qu'on va tester, puisque évidemment, nouvelle session de pêche, nouveau leurre à tester. Et puisqu'il y a de la perche, ça tombe bien, parce que je pense que ça peut très très bien fonctionner. C'est toute une gamme de fishers, encore une fois, s'il vous plaît, sur Action Pêche, pas très cher. Donc on va les tester. Il y en a du 4 grammes ou 13 grammes, je crois, toute une gamme. Je vous montre ça vite fait. Voilà, c'est simple, c'est sympathique, c'est pas cher, et j'espère que ça va marcher surtout, hein, parce que ce que je veux, moi, c'est du poisson, hein, surtout du poisson. Donc bien sûr, on testera ça, et je vous dirai ce que j'en pense. Let's go! Bon, on est au bord de l'eau, ça y est. Je pense que vous avez vu les quelques petits plans en drone, je devais le faire pour le pote, comme je vous ai dit, pour les flottes. Donc vous avez dû aussi voir les flottes, normalement. Et maintenant, il serait temps de pêcher un petit peu, regardez. C'est un petit peu mieux que les années précédentes, hein. Vous voyez pas très bien. Mais on a changé un petit peu de matos, on se sent bien, c'est mieux, ok? Donc tout est déjà au bord de l'eau, là-bas.
vous voyez très mal, forcément le focus est très faible. Et écoutez, le temps se court un petit peu, soi-disant qu'il y a beaucoup de perches. On va voir, j'espère les trouver. Bonne vidéo à vous. Et on se retrouve sur l'eau, c'est parti. C'est un bateau, hein. En fait, ça me fait bizarre d'être juste assis sur un truc. Ouais, tu vois, pas être enfermé. Ouais, normalement, t'es enfermé, t'as le truc qui se referme devant toi. Bon, là, il y a une barre. Mais à part ça, t'es juste assis sur une planche, quoi, limite. Ouais. Mais moi ça me fait envie surtout pour avoir un support, tu sais. Comme toi t'as. Ah. Tu sais, un support, un pied. Ouais. Bon, toi comme t'as pour ta GoPro, c'est parfait aussi. Mais moi je le veux plus haut, moi. Ouais, tu veux où, en fait, tu fais ce que tu veux. Je veux un truc qui prenne du recul sur tout le flat. Wow. Ça fait bizarre. Putain, je vais devoir refaire de l'aviron alors. Mais c'est toi qui le. Ça c'est toi qui vois, c'est par contre si t'as fait, il faut que tu décales tes cannes, parce que sinon tu vas toucher. Ouais, je vois d'ailleurs. Là, tu risques pas de le faire de toute façon. Moi ce que je fais c'est que je prends le petit compétent. Normalement là, je l'ai suffisamment fait pour. Là vas-y, t'enlèves. Vas-y, plie tes jambes, plie. Alors, et après tu poses dessus, vas-y, appuie. Voilà. Et tu poses comme ça? Ouais, moi je les pose comme tu as l'autre pied là. Comme ça, ouais, c'est une barque quoi. Je fais de la barque. Et ben. Ça fait bien le kéké de la pêche quand même. Hein. Bon, ben on va tester ces petits fishes là. Je pense qu'ils sont pas mal. En jaune comme ça. Tu crois en couleur naturelle ou en couleur un peu. Mais là, j'ai mis flash sur les deux parce que dernier. Moi j'ai du jaune comme ça là. Ouais, ouais, ça c'est une très bonne couleur. Allez, hein. En tout cas, c'est ultra stable ce truc. Je peux me mettre debout dessus. On va peut-être attendre. Et il y a des vagues. Mais je peux me mettre debout normalement. J'enlève les palmes, je me mets debout. En mode plateforme. Et je peux pêcher debout. C'est quand même assez stylé.
Non mais c'est cool hein. C'est ultra stable. Et les rames c'est magique aussi. T'as mal aux jambes, tu passes aux bras et quand t'as plus. Quand tu peux plus tenir les bras, tu vas aux jambes quoi. Bon mais lui avec son moteur quand même il nous met un trou mais. Ah ça tient hein. Il fait un peu le kéké avec son truc hein. Quoi ? Il fait un peu le kéké avec son truc hein. Tout à l'heure il était en travers comme ça, debout, tu sais, moteur allumé. Non non il y a un peu de vantardise quand même. Ouais, tout le monde qui me dit fais une vidéo IRL, une vidéo IRL, ma chaîne de pêche. Déjà les gars, à chaque fois que j'y vais, je pêcherai moi. Ça marche pas. C'est vrai que tous les soirs on t'en demande. Y'a ouais, pas un ça. Soir où on t'en demande pas eu. C'est quoi des vidéos de pêche? Ouais ouais. Je dis les gars, la pêche, j'adore mais c'est pas fait pour moi. À chaque fois que je viens, vous faites pas capot? Non? Ouais, quasiment hein. Bah quand on est allé sur le moulinet, j'ai pas fait capot hein. On n'a jamais fait une sortie ensemble où on a tout cassé hein. Ah tout cassé non. Bon, en même temps on y va pas souvent hein. Donc, on y va pas souvent. Non mais alors, tu me diras l'année d'avant on avait dit la même chose. Mais l'année prochaine on s'organisera mieux, tu verras au tweet. J'en suis sûr qu'on va faire des sorties où ça va toucher. Si on s'est. Ça a été une année très particulière. On s'est régalé à Montvert je trouve. On l'a pas sorti énormément mais. Ouais. Ouais, c'était sympa. Il parle tout seul ou. Il fait des. Il simule, non? Tu l'as entendu simuler? Il a pas fait poisson? Pas. Si je sors une seule perche, je fais une vidéo. Et je l'appelle record du monde perche en lac. Je croyais que t'allais dire, je te jure que si je fais une seule perche, je la mange. Ah, il y a moyen que je la tue juste pour me venger, tu vois. Je la tue et je la relâche. Joli, poisson. Le petit poisson. Doucement, doucement, il va pas le perdre. Hein. Déconne pas. Ouais, mais vu la crevette que c'est... Ah, mais c'est pas grave, poisson. Oh putain, la branlée que je vous ai mis. Oh, la branlée. Le plus gros de la journée. Ah. Putain, je vais plus t'inviter. Hein. Tu tires mieux que moi, tu pêches mieux que moi, merde. Arrête de bouger là. Ouais, ça... On n'a pas tiré encore au fusil. Ça là là, tout ça pour ça. Non, tu te barres pas, tu te barres pas, au moins quand on te voit. Le calus. C'est un monstre. T'as déjà vu une comme ça? Jamais hein. Je la vois même pas dans ce jeu. Comment ça tu la vois pas? Non mais elle est petite mais elle est racée. Elle est très racée. C'est la... Julien il envoie des leurres plus gros que ton poisson. Allez appelle tes sœurs, connasse. Ah non elle était nerveuse celle-là. Ah ouais. Oui, c'était plus gros, ça. Et t'as vu? Ben oui, elle a plié la canne. Hein. Elle me l'a plié. Hein. Dis, passe-moi le poids, toi. Fais chier. Tu vas être obligé de sortir l'arme ultime. Non, mais là, il y a un banc. Hein. Faut y aller. Il hein. y a clairement un banc. Une boule. Peut-être qu'ils l'ont déjà vidé et rempli hier, on le sait pas. Hein. On est comme des cons ici. Fiche. Poisson. Putain. Jérémy nous met la pilule là. Non, décroché je crois. Ou j'ai décroché. Ou alors elle est plus petite que l'autre. Elle est plus petite que l'autre. Mais c'est possible. Ah ouais, là c'est du gros fiche là. Énorme. Énorme fiche. Hein. Plus petite que l'autre. Et non, c'est pas mon leurre. Allez, fuis. Crevette. Fiche. J'ai dit qu'on était sur la boule. On est sur la boule.
encore plus petite. Mais regarde ça, elle est encore plus petite. Un poisson rouge. C'est pas possible. Racé. Après, si je suis sur un banc de petites, il n'y en aura pas de grosses. Fiche. Elle est mieux, elle est mieux. Oh là là, le steak. Vous avez une épuisette? Non, je déconne, fais pas demi-tour. Hein. Énorme, encore une fois. Et on se contente de ce qu'on a. C'est déjà bien. Déjà, on pique quelques petits poissons. On va pas se plaindre. Et voilà. J'ai dit que j'allais la faire la dernière. Et elle s'est barrée de suite. Décrochage rapide. C'est un minuscule petit banc de petites perches. Ouais, parce que là, j'ai fait un petit coup de poignet pour qu'elle se détache toute seule. C'était volontaire. C'est un peu bizarre ce qu'on est en train de faire. Mais oui. Facile la pêche. Hein. C'est sur ce beau coucher de soleil, les amis. Je pense que ce que vous avez vu explique bien la situation. Ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo de pêche. Vous avez été nombreux à le demander. Seulement, voilà. Voilà, beaucoup, beaucoup d'organisation. Donc là, ça va parce que je teste ce flotte là. Donc je ferai peut-être l'acquisition un jour. Et le pote teste le nouveau modèle. Donc ça fait une petite occasion de vous montrer quelque chose de sympa qu'on voit pas partout. Une petite session. Bon, au final, on a sauvé le capot quand même. On a fait quelques petites perches à la fin. Mais globalement, voilà, une session de pêche, c'est très dur. Grand respect à tous ceux qui le font et qui y parviennent. Parce que franchement, c'est très très dur de filmer des sessions de pêche. Le nombre de fois où tu pêches rien, tu organises ta journée, tu fais la petite intro, tu fais des plans de drone, tu pêches, tu filmes des heures, tu remplis les SD et au final, bah, tu fais pas de fiche. Et si tu fais pas de fiche, bah, la vidéo elle est pas ouf. Donc voilà, le soleil se couche. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. J'espère que ça vous a fait plaisir.